Eh bien bonjour à tous, c'est Pierre, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter un système d'aquaponics, donc tout simple et voilà, avec comme d'habitude des trucs de base. Juste petit truc important, il vous faut une pompe. Donc voilà. Donc j'ai trois canettes pour mettre les trois plantes. Donc voilà. En fait, je vais les mettre dans une brique de jus d'orange par laquelle va y avoir le trou là où va sortir l'eau. Par la pompe, je vais faire venir le tuyau qui va déposer l'eau dans chacune des coupelles, quoi. Donc là, j'ai commencé à faire chauffer mon hot glue gun pour donc coller les canettes. Voilà. Là, petit fil. Bon, maintenant j'attends vite fait que ça sèche. En attendant, hop, j'ai prédécoupé mon tuyau. Ouais, c'est bon. Hop là. Voilà. Donc c'est celui-là que je vais utiliser. Maintenant, je vais hop le coller aux trois. Un par un. Bien évidemment, hop, je vais fermer ici. Voilà. Hop, je vais attendre vite fait que ça sèche. Voilà. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais coller ça en arc de cercle aux trois pour pouvoir après faire des. Excusez-moi, faire des trous pour que l'eau passe. Je vérifie bien si les canettes sont à peu près bien collées. Très bien, elles sont bien collées. Donc là, hop, je vais coller. Voilà. Donc, là, j'enlève quelques fils qui sont collés. Hop, voilà. Donc là, j'ai collé le tube aux canettes, donc qui va s'occuper de la distribution. Voilà. Donc maintenant, on va passer au bouchon. Crotte. Hop là. On va passer au bouchon. Donc on va faire le trou par lequel l'eau va s'écouler. Pour ça, j'ai un autre tuyau que je vais couper. Voilà, que je vais couper ici. Là, claque, toujours là, l'extérieur. Très bien, c'est sûr. Alors, maintenant, hop, donc. Je suis en train de faire charger la caméra en même temps, donc du coup c'est un peu chaud. Voir si le tuyau rentre, évidemment il est tombé. C'est un peu forcé bien sûr. Hop là. Ok, je vais agrandir un peu le trou. Hop là, très bien. Donc là, vous voyez, j'ai réussi à faire rentrer le bouchon dans. Enfin, le tuyau dans le bouchon, pardon. Voilà. Je me perds dans mes pensées. Je vais reprendre un tube de colle là. Voilà. Parce que j'en ai plus. Hop, donc là. Voilà. Hop. Bien veiller à ne pas mettre de la colle sur le bouchon pour qu'il puisse se refermer. C'est sec d'un côté et de l'autre. Maintenant, pendant ce temps, ça a séché.
ce que je vais faire, c'est je vais faire des petits trous dans lesquels l'eau va s'écouler. Voilà, c'est pas mal tout ça. Donc je vous montre les trois trous maintenant. Hop, donc le premier, je sais pas si vous voyez bien. Le deuxième, vous voyez sûrement la lumière rouge. Et la troisième. Voilà. Donc évidemment, voilà, vu du haut, que l'ensemble. Donc maintenant, bah, je vais vous retrouver pour le. Donc voilà, moi je vous montre ma pompe. Un bête truc comme ça. Hop, le fil. Enfin, le tuyau, je vais le mettre là. Voilà. Et là, il va falloir que je bouche. Donc, je vais bricoler un truc vite fait. Donc, on se retrouve tout de suite. Donc, voilà, mesdames, messieurs, mon système d'aquaponics est prêt. J'ai pas encore mis en couple le fil, puisque malheureusement, il a des problèmes. Il ne fonctionne pas, donc il n'arrive pas à pomper, puisque le lisse. Enfin, bref, voilà, je vous ai parlé des détails. Le lisse, il est complètement. Enfin, ça bug complètement. Donc sinon ça marche bien, hein. Avant qu'il déconne, ça, j'ai essayé, ça marchait. Donc ce qui se passe, c'est que l'eau elle arrive là. Alors, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Là j'ai mis un petit bâtonnet pour, puisqu'en fait l'eau elle coulait le long du tuyau, comme ça. Et donc, j'ai fait ça comme ça. J'ai mis quelques plantes que j'ai trouvées de chez moi. Il y en a qui se sont fait bouffer par des escargots. Là c'est une petite plante. Donc voilà. Je vous expliquerai le système plus tard.